Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Comme j'avais annoncé dans mon tutoriel précédent sur le maquillage, il faut absolument que je vous parle de la Blemish Balm Cream, plus connue sous la désignation de BB Crème. Comme on sait, avant même de mettre son fond de teint, il est important d'appliquer sur le visage une crème hydratante. Évidemment, il faut savoir choisir celle qui convient le mieux à notre type de peau. Cependant, si l'on n'utilise qu'une crème hydratante, celle-ci ne fera pas office en même temps de fond de teint. C'est pourquoi je m'attarderai ici sur ces fameuses BB crèmes. Ces dernières années, les BB crèmes, très populaires en Asie et surtout en Corée du Sud, ont tellement gagné en popularité dans le reste du monde que toutes les grandes marques européennes comme Vichy ont produit les leurs. Cette popularité a principalement émergé d'Asie, puisqu'elle serait hydratante et protégerait des rayons ultraviolets du soleil. De plus, elle illuminerait et unifierait le teint. Elle réduirait l'apparence des imperfections comme les pores dilatés et, selon le cas, certaines prêchent même d'autres vertus comme celles anti-taches, anti-âge et blanchissantes. En somme, ces vertus répondent bien à ce que plusieurs femmes asiatiques sensibles à la lumière du soleil et désireuses d'avoir une peau plus blanche recherchent. Plusieurs perçoivent ces BB crèmes comme une combinaison pratique de crème de jour et de maquillage, une sorte de deux en un. Il n'en demeure pas moins qu'il faut tenir compte de ses besoins et d'autres produits cosmétiques comme les BB crèmes pourraient peut-être mieux y répondre. D'autant plus que les BB crèmes contenant des substances blanchissantes de la peau peuvent, à long terme, avoir l'effet inverse que celui recherché. Elles peuvent notamment causer des irritations de la peau, des allergies et même l'endommager. De plus, en se dépigmentant, la peau devient plus sensible aux ultraviolets du soleil, ce qui va à l'encontre de ce qu'on pouvait rechercher en l'utilisant. C'est pourquoi Alexandra utilise présentement la BB crème Pro Even de Vichy, qui s'adapte au teint clair à moyen et qui n'a pas de substance blanchissante. J'espère que ces informations vous aideront à bien choisir votre propre BB crème. Alexandra et moi vous disons merci d'avoir regardé ce tutoriel et vous disons à la prochaine.